C'est dur la vie. La vie est dure. Moi aussi au travail. Je travaille ces nuits. Je vais travailler ces nuits. Je suis au travail. J'ai 2 nuits. J'ai 2 nuits à faire. Et un capot, l'argent est dur. L'argent est dur. Oh, l'argent est dur. L'argent est dur. J'ai fini demain à 14 h. Vous faites quoi comme le Congo ça sur Facebook? Laissez-moi chercher un peu l'argent. Et trop le travail. J'ai trop de nuit. De nuit. Mon étoile brille trop. J'ai trop de travail. Trop de nuit. Trop de nuit, dit agent. Je suis pas chez moi à regarder. Yeah, Alain, tu es là. Ça va, Alain? Yeah, Alain. Alain, je t'ai dit que je travaillais cette semaine la nuit, non? Je veux pas trop parler fort. Je t'ai dit que je travaillais la nuit. Alain, laisse-moi comme ça, là. J'ai trop de compte à la nuit. Sauf ça, c'est pas tout sur Facebook. Là, je vais finir à 14 h demain matin. Je finis ici, je travaille la nuit et je finis à 14 h. Je vais dormir ici. Et je vais me lever à 5 h. 5 h 30. Je vais me préparer. Et après, je vais le lever, je vais lui donner le petit déjeuner et après, traîner un peu jusqu'à. Je vais faire un petit ménage. Après, je vais regarder vos les directs sur Facebook. Après, il est midi. Après 14 h, je vais rentrer. Là, je vais dormir là. Je finis jusqu'à 14 h demain. Et un capot. Je vous regarde sur Facebook. Peuple camerounais, vous avez vu comment ma vie est dure. Je me lève à 7 h, à 5 h du matin, pour me préparer, pour aller travailler. La liberté que vous voulez là.
le changement que vous voulez là. Ça veut dire, prenez vos couilles, levez-vous, allez arracher votre liberté. Le Tchad se lève comme moi là. C'est la volonté, c'est la détermination d'avoir une meilleure vie. Je peux bien travailler dans la journée et avoir un salaire maigre, mais si je veux avoir une vie meilleure, je dois me laisser travailler, dormir quelque part, avoir des nuits difficiles, avoir des scènes pour avoir un bon salaire pour résoudre certains problèmes. C'est une manière de dire la jeunesse camerounaise. Vous voulez tous courir au Cameroun parce que vous voulez la gloire. J'ai l'expression au Cameroun, vous ne voulez pas la liberté. Vous discutez ce qu'on appelle la recherche. Vous discutez ce qu'on appelle la première place. Mais tout ce que vous êtes en train de voir au Cameroun, c'est un château de sable. Tout ça va couler. Au Cameroun, vous vous en foutez que nous sommes en train de misérer. Vous vous en foutez que le Cameroun est en train de détruire. Vous courez. Au Cameroun, vous êtes tous égoïstes. Vous êtes en train de courir sur la gloire. Vous êtes en train de courir sur le premier banc. Vous voulez avoir la plus belle voiture, la plus belle maison. Moi, j'ai un terrain. Moi, j'ai construit. Ah oui. Vous voulez ce qu'on appelle la première place. Mais vous avez oublié quelque chose. Tout ce que vous êtes en train de faire, le Cameroun est un château de sable. Pensez, regardez ce qui s'est passé en Chine. Il y a des Chinois qui ne voulaient pas la liberté. Ils étaient en train de bâtir. En Éthiopie, il y a des gens qui ne voulaient pas la liberté. En Éthiopie, ils étaient en train de bâtir. Au Rwanda, il y a des gens qui disaient qu'ils ne veulent pas la guerre. Ils étaient en train de bâtir. Au Kenya, il y a des gens qui ne voulaient pas la liberté. Ils étaient en train de bâtir. Quand le peuple a décidé qu'il voulait la liberté, on a tout cassé et on a tout refait à zéro. C'est une manière de dire que vous êtes égoïste. Je me moque de vous parce que le Cameroun était premier. Et tous ces gens qui sont maintenant premiers, maintenant là, comme la Chine, comme le Rwanda, comme l'Éthiopie, sont tous des gens qui étaient loin au Cameroun, qui étaient derrière le Cameroun. Et le Cameroun avait un développement énorme. Aujourd'hui, le Cameroun est derrière des gens qui étaient derrière lui. C'est une manière de dire qu'on est en train de voir votre comportement au Cameroun. Vous êtes en train de faire que vous vous en foutez de ce qui se passe au Cameroun. Vous ne voulez pas la liberté, ça ne va pas. Mais la liberté va venir. Cette terre va reprendre sa place. Qui est de quoi? Il va revêtir, il va renverser. Il va reprendre sa place qui était première. Il va reprendre sa place qui était quoi? Il était à la hauteur de tous les pays africains. Aujourd'hui, cette terre qu'est le Cameroun est en bas. Est en bas. Est derrière les pays qui le glorifiaient, les pays qui le respectaient. C'est une manière de dire, vous êtes au Cameroun, vous ne voulez pas sortir, ne sortez pas. Vous discutez les terrains, vous discutez la gloire, vous discutez la recherche, vous discutez les vues. La jeunesse camerounaise est devenue le tape à l'œil. Vous avez un pays qui est en train de sombrer. Vous avez un pays qui est en train de sombrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de discuter la gloire. Vous êtes en train de discuter ce qu'on appelle le tape à l'œil. Vous discutez, c'est moi qui ai la plus grosse voiture. On voit sur Instagram, mais vous oubliez une chose. La Chine s'est comportée comme vous. La Nairobi s'est comportée comme vous. Le Rwanda s'est comporté comme vous. Et au moment qu'on a voulu reconstruire le pays, on a tout cassé.
ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, là, prenez les armes. Si vous ne sortez pas, ça va prendre le temps que ça va prendre. Tout ce que vous avez versé, nous, là, on ne veut pas investir. On veut la liberté de ce pays-là. Mais vous croyez que nous, on est bêtes, que nous, on est pauvres, parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle première place. Vous êtes en train de discuter le premier banc. Le premier banc au Cameroun, c'est quoi? Les gens qui veulent être, que oui, on fait partie des VIP, on fait partie des gens qui ont réussi au Cameroun, on fait partie des gens qui roulent dans les grosses voitures, on fait partie des VIP. Mais je suis en train de rigoler. Donc, ça veut dire que nous qui voulons le changement, qui disons que le Cameroun est misérable, que le Cameroun, ça ne va pas, nous sommes les derniers. On n'est rien. On est misérable. Et alors, on verra que les premiers seront les derniers. La Chine a fait pareil, comme vous, le peuple camerounais. Je m'adresse à tous ces stars qui se comportent comme si ils sont les importants. Ils sont les gens qui sont la gloire au Cameroun. Vous êtes en train d'investir partout, partout, n'importe comment. Partout, n'importe comment. La Chine a fait pareil. Le Rwanda a fait pareil. Ce que vous êtes en train de faire, je rigole. Parce que je vois maintenant, les médiocres sont maintenant ceux qui sont glorifiés. Le Cameroun, si vous voyez quelqu'un qui a réussi au Cameroun, c'est un médiocre, c'est un va-nu-pied, c'est une pimenteuse, c'est un tilapia. Les gens qui ont fait des études au Cameroun, on ne parle même pas d'eux. Tu ne peux pas attendre qu'un Camerounais est parti ouvrir une société pour embaucher les jeunes. Vous allez seulement entendre qu'un fermier est parti tuer les bœufs pour nourrir les misérables, pour prendre encore l'échange. Parce que vous croyez qu'on ne peut pas tuer les bœufs, on vous donne à manger, alors qu'on est en train de venir faire le salaka. Vous mangez aussi, miam, 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 miam. Au Cameroun, c'est la concurrence de la richesse. Oui, et le Cameroun est en train de vous regarder comme cela. Waouh, c'est un château de sable. Ça va écouler. On va tout casser. On va tout casser. Bonne nuit. Je dois me lever à 6 heures. Je dois me lever à 6 heures. Vous êtes vraiment pitoyable. Les médiocres sont glorifiés. On passe le temps à regarder les gens qui sont médiocres. Vous criez waouh, 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 waouh. Bonne nuit. Je n'ai pas le temps. Je vous dis bonne nuit. Je m'adresse à vous tous. Que ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, là, les stars, les boxeurs, les stars de cinéma, les chanteurs, ce que vous êtes en train de bâtir au Cameroun, là, tout ça va être cassé. Rentrez voir la Chine. Allez voir le Rwanda. Allez voir le Ghana. Donc, vous croyez que nous, on va rester sur sous-développement pour mentir. Vous croyez que là, vous êtes en train d'ouvrir les magasins bêtement. Là où vous êtes en train d'investir bêtement, le Cameroun va rester au dernier bas. Le Cameroun qui était premier va rester au dernier banc. Peut-être que vous ne réfléchissez pas. Hein? Donc là où vous ouvrez les magasins, parce que le Cameroun, c'est maintenant la concurrence de la richesse. C'est là la concurrence des gens qui passent le temps à faire la concurrence. Plus concurrence, plus les pactes sataniques. Vous croyez que le Cameroun va rester dernier? On va vous tout casser. Vous ne voulez pas sortir parce que vous voulez la richesse. Vous voulez discuter la première place. Vous ne voulez pas sortir parce que vous avez peur que vos richesses vont tomber. Et tout va sortir ou pas, tout va tomber. Bye.